Hello, bienvenue dans un nouvel épisode de Miss Digital. Aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale, une qui n'est plus à présenter dans le milieu de modeling de façon générale. Ami, bonjour. Bonjour, Awa. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. On est très ravis de te recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, je vais te laisser te présenter à nos téléspectateurs. D'accord, je m'appelle Aminata Faye, mais on m'appelle Ami Faye. Je suis mannequin international. Je travaille entre Paris, Dakar et New York. Alors, pourquoi on a choisi Ami, certes par sa carrière qui est assez excellente, mais aussi parce qu'Ami, elle a débuté une carrière de coaching, de modeling. Et aujourd'hui, on t'accueille en tant que modèle, mais en tant que coach aussi. Et la première question, ce serait comment, en fait, selon toi, un mannequin devrait gérer son image? Je pense que déjà que c'est essentiel qu'un mannequin puisse gérer son image, parce que c'est son travail, après tout. Et qu'il faudra faire vraiment attention à ce qu'on va, comment dire, refléter par rapport à notre image. Donc c'est très essentiel de prendre soin de son image. Et je pense que c'est, on va dire que, bon, après ça dépendra de la personnalité de la personne, mais tout en, c'est possible, mais tout en faisant attention. Et comment, selon toi, un mannequin devrait gérer ses réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou même sur les autres plateformes? Déjà, parce que nous, il faudrait savoir que les réseaux sociaux, pour nous qui sommes mannequins en Afrique, parce qu'on n'a pas trop de plateformes pour qu'on nous voit, tu vois, on n'a pas trop d'agences avec les sites internet et tout, donc les réseaux sociaux deviennent notre plateforme à nous, une manière de nous vendre. Donc, il faudrait faire, comment dire... Comme je dis, attention et éviter d'être dans le, comment dire, dans le surplus. Donc que ce soit vraiment simple, assez light. Donc ce sera des images, des vidéos. Tu peux, bon, on peut utiliser les filtres parce qu'ils sont beaux. On peut pas vivre sans filtre. Mais il faudrait pas que ce soit très très présent sur ton feed. D'accord. Donc je dirais qu'il faudrait avoir au moins une photo de toi naturelle. Sans, surtout les filles, sans perruque, sans maquillage. Au moins, si on me demande « Est-ce que tu connais une fille à me présenter ?» Et quand je vais sur le profil d'Awa Claudine, je puisse prendre une photo de Awa qui est naturelle, qui lui ressemble, qu'on la voit vraiment. Parce que les gens, les mannequins, ils ne savent pas que le client, il se projette en fait quand il te voit. Donc il a besoin de te voir naturel pour pouvoir se projeter par rapport à son projet qu'il a dans sa tête. Donc quand il y a beaucoup d'informations, des fois il se perd. Donc il vaudrait mieux avoir des photos naturelles, tu vois, avec un t-shirt, jean, juste simple, comme ça sera tes polars en fait. Et c'est bien en fait que tu parles de Polaroid et de Clio. Il y a beaucoup de castings font de façon digitale, que ce soit sur le web, que tu envoies un mail ou que tu postes avec tes photos. Quels sont les conseils que tu donnerais à une fille qui aimerait en fait commencer les castings digitaux? Voilà ce que je disais, c'est des polars. Donc les polaroids, c'est des photos très simples. Tout le monde en fait, que ce soit Naomi Campbell ou... C'est des photos très simples où tu es naturel, tu vois. Pas de perruque, comme je le disais, pas de make-up, soit une chemise ou en pantalon noir. Avec des talons, bien sûr, si tu es une fille. Et même que ce soit les garçons en jean, t-shirt, basket, mais ce soit vraiment sobre. Pour ne pas trop déconcentrer le client. Et faire des photos portraits, c'est-à-dire le visage, faire des close-up. Et faire des photos profil de chaque côté. Plein droit, ça veut dire photo entier. Et trois quarts. Et une vidéo de présentation. Aujourd'hui, comment tu gères tes réseaux sociaux? Déjà, tu ne peux plus te faire ta com, on peut dire. On ne peut plus te faire ta com, tu l'as déjà fait. Mais est-ce que jusqu'à présent, tu tiens compte de ce que tu dis sur les réseaux? Tu tiens compte de ce que tu partages sur les réseaux? Oui, je fais attention, comme je dis. Parce que, c'est quand ça part, tu peux plus les reprendre, en fait, ce que tu as dit. Donc, et je suis Nana, tu es très discrète. Ça, on sait. Donc, je suis dans mon coin et tout. Donc, c'est pas, c'est pas trop difficile pour moi de faire attention parce que je suis comme c'est ça. C'est dans ta nature. C'est dans ma nature.
je poste comme je veux, comme j'en ai envie. Au feeling. Parce que, au feeling, parce que sinon après ça me stresse et du coup tu sais plus. Tu vas poster pour poster. Mm-hmm. Et je pense que toi tu sais que c'est pas, ouais, c'est une chose à éviter. Mm-hmm. Alors ce qu'on peut retenir aujourd'hui de notre interview, c'est que sur les réseaux sociaux, il faut rester le plus naturel si on est modèle, oui, mais aussi rester concentré professionnel. Oui. Je pense qu'on a fait le point. On te remercie beaucoup. Merci. C'était un plaisir, c'est intéressant. Merci. Même si ça a duré que 5 minutes, je pense que tout le monde a appris goût et a connu quelque chose d'autre. Merci. J'espère bien. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.